Prenez quelques instants pour regarder à l'intérieur de vous. Si je dis que vous ne soyez pas un récipient, ne gardez rien. Ne soyez pas un espace clos. Soyez ouvert, comme une terre sans clôture, un espace ouvert. Il n'y a rien à collecter. Le ciel ne collecte pas les nuages. L'océan ne collecte pas les vagues. Il les laisse jouer à leur guise. Il n'intervient pas. Qui êtes-vous ? Ça doit être clair pour vous. C'est la seule chose qui doit être vraiment claire. Êtes-vous un objet ? Êtes-vous une chose ? Êtes-vous une forme ? Percevez-vous tous vos sens ? Le mental ? Le jeu de l'intellect ? Tout cela doit être perçu. Mais celui qui perçoit, peut-il être perçu ? Ce ne sont pas là des questions pour votre mental. Est-ce que celui qui observe le fonctionnement de la perception peut être perçu ? Est-ce un objet ? Où devez-vous chercher la réponse ? Si vous ne vous identifiez à aucune forme pendant un bref instant, quelle est votre taille ? Ne laissez aucun concept vous définir. Quel est votre signe astrologique ? Quelle est votre date de naissance ? De quel genre êtes-vous ? Non pas que ces choses soient un problème, pas du tout. Mais elles ne sont qu'à la surface de quelque chose que personne ne saisit. Avant toute perception, vous êtes déjà là. Si vous vous identifiez à une forme, vous allez alors aussi hériter des limitations de cette forme. Et cette conviction naturelle, ce savoir naturel, ne sera pour vous plus qu'un savoir abstrait et inconnu. Pourquoi est-ce que je vous dis de ne vous identifier à aucune forme ? Est-ce que ça vous choque ? Si vous suivez maintenant mes indications, que trouverez-vous ? Si tout était retiré, si absolument tout ce à quoi vous vous identifiez disparaissait un certain temps, ne serait-ce que pour quelques minutes, tout, absolument tout ce à quoi vous pensez, dans n'importe quelle zone temporelle, a été effacé. Est-ce que quelqu'un parvient à se détacher de sa conscience ? Pouvez-vous vous perdre ? Ou être séparé ? Et si oui, séparé de quoi ? Et si tout cela n'était qu'un jeu de l'imagination ?
Si je vous dis tout cela, c'est pour vous aider à découvrir la quintessence même de votre être. Ensuite, après ça, vous pourrez de nouveau entrer dans le monde. Vous pourrez de nouveau entrer dans le monde et voir si cela vous a causé un quelconque ennui. Car il y a ici que des nuages qui passent. Même ce corps n'est qu'un nuage. Rassurez-vous, il n'y a rien de mal à ce que les nuages passent. Savourez-les. Certains nuages passent lentement, d'autres passent rapidement. Mais l'important est que, rapide ou lent, vous soyez témoin de chacun d'entre eux. Même nos désirs, qui sont tellement... Nous sommes souvent attachés à certaines projections, certains désirs, mais ce sont aussi des nuages qui passent. Est-ce difficile à entendre? Curieusement, celui qui sait cela connaît une existence merveilleuse. Sans que l'on s'y attende, l'amour est présent, la joie, la paix. Et ces choses sont souvent éclipsées par le point de vue personnel de la personne. Les gens veulent toujours quelque chose. Il leur manque toujours quelque chose. Ils ont toujours besoin de quelque chose. Et lorsque vous chériez trop intensément votre personne, vous passez à côté de votre propre beauté. La paix est votre beauté. L'amour est votre beauté. C'est votre environnement, votre atmosphère, votre climat, votre parfum, ainsi que la joie, la vitalité, la spontanéité, l'ouverture, la compassion, la réjouissance. Voilà votre parfum. En grande partie masqué par cette limitante obsession qu'est votre personnalité. Qu'avez-vous vraiment à perdre? Si ce n'est des ennuis. Parce que la vie vous donne, Dieu vous donne. Oui, vous pouvez faire des choses dans le but d'accroître votre confiance et votre foi, sans que cette considération ne vous soit imposée. Parfois, un peu de fermeté est nécessaire. Parce que parfois, l'ego peut être aussi entêté qu'une mule. Donc la vie doit vous donner un petit coup de... Et puis après, ah... Vous saisissez une pierre pour vous défendre, pour finalement dire aussi vite, ah, merci, merci. Car vous réalisez que vous venez de goûter, comme vous l'avez dit, à l'acidité de la grâce. Parce que l'ego veut la liberté, selon ses propres termes. Et il ne l'obtient jamais. Regardez à l'intérieur. Êtes-vous plein ou vide? Ou est-ce impossible à décrire? Il ne s'est jamais passé une seule seconde sans que vous, en tant que pure conscience, ne soyez pas là. Et cela ne se produira jamais. Mais la personne, par contre, ne cesse de changer, même au cours d'une seule vie.
votre forme, vous ne pouvez pas la garder. Au quotidien, nous sommes confrontés à toutes sortes de choses. Vous devez négocier, utiliser votre pouvoir de discernement, de discrimination. Tout cela fait partie de l'expression dynamique de la conscience. Et c'est ok. Mais le plus merveilleux, c'est quand vous découvrez l'endroit que je vous indique et que vous parvenez à reconnaître que non, vous ne l'avez pas inventé. Cette étendue, cette intemporalité, cela peut seulement être découvert, ça ne peut pas être amélioré. Tout effort pour tenter de s'améliorer concerne la personne et le mental, pas la conscience. À présent, j'en ai déjà dit beaucoup. Ne vous identifiez à aucune forme, ni aucune intention, juste au présent. Ne vous identifiez à aucun désir. Laissez-les simplement de côté, sans agressivité. Quoi que vous puissiez percevoir ou imaginer, ne relevez rien. Peu importe ce que votre mental projette sur l'écran de votre conscience, ne vous y connectez pas. Contentez-vous d'observer. Qu'est-ce qui se manifeste ? Se manifeste-t-il des formes ou des silhouettes ? Est-ce que c'est un mouvement ? Lorsque vous cessez de vous identifier à tout concept, que reste-t-il ? Je sais que pour certaines personnes, leur esprit est comme un tsunami. Si vous ressentez d'une manière ou d'une autre qu'il y a dans votre tête comme un tsunami, cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas grave. Et vous en serez témoin. Ça aussi, ça passera. Et s'il est possible que cela passe, alors ça veut dire que ce n'était pas vous. Ce tsunami cherchait juste à attirer l'attention. Le mental cherche à attirer l'attention. Maintenant, lâchez prise. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Ce bruit dans votre tête a-t-il un nom ? Est-ce un objet ? Un objet de votre création ? Peut-il s'estomper ? Est-ce une expérience ?
lorsque vous pourrez confirmer ces choses. Vous n'aurez plus à travailler pour la paix. Vous n'aurez plus à créer ou à faire d'exercice pour trouver l'amour ou la joie. Cela viendra spontanément. Cela se manifestera spontanément. Toute la beauté et la pureté de la conscience est déjà en vous. Mais tant que nous demeurons fascinés par l'ego, l'identité et la personnalité, c'est comme si cela n'existait pas. Et nous nous abaissons pour pas grand-chose. Maintenant, je ne veux rien ajouter de plus. Laissez ce que vous venez d'entendre résonner dans votre cœur, mariner à l'intérieur. Soyez reconnaissant que votre propre silence et que votre véritable être vous a été révélé. Pas personnellement, ce n'est pas une personne. C'est le Seigneur de l'univers qui s'est manifesté à l'intérieur de votre cœur.